C'est dans cette magnifique station de cité que va commencer notre histoire, une histoire qui va s'étaler sur plusieurs jours. En tout cas, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu une super belle occasion qui s'est présentée. Il s'agit en fait d'une très belle rencontre que j'ai faite avec un passionné du thé également, qui tient une boutique que j'ai visitée à Shirakawa, donc dans le sud de Tokyo. Et effectivement, ce monsieur-là est tellement passionné qu'il veut faire voyager son histoire, son thé, sa poterie, toute la culture japonaise qui entoure tout ça. Donc en fait, ils sont venus avec une délégation de plusieurs artisans, artistes, tenanciers de ryokan, tenanciers de boutiques et de nihoncha café, tous venus ensemble en Europe. Ils étaient en Russie il y a quelques jours, ils ont atterri à Paris hier. Aujourd'hui, ce sont des cérémonies du thé qui sont un peu organisées comme ça, suivant l'inspiration, suivant l'opportunité. Ils ont déjà réalisé ce matin, je n'ai pas pu être présent malheureusement, des cérémonies du thé juste en face de la Tour Eiffel, au niveau du Trocadéro. On se retrouve ici à un autre endroit vraiment emblématique de la capitale. Nous sommes sur l'île de la Cité, évidemment, qui avait été frappée par le drame de Notre-Dame il y a quelques temps. En compagnie de la délégation japonaise, on est juste en face de la cathédrale et j'ai choisi ce point là qui a beaucoup souffert il y a quelques temps pour symboliser l'ère Leiwa, donc ce côté renouveau, un nouvel ordre, une nouvelle harmonie, en espérant qu'on puisse apporter de la joie dans cet endroit. Konnichiwa Takahiro-san. Voilà, je me retrouve avec Takahiro que j'ai rencontré Tokyo de Aimashita. Donc on s'est rencontré à Tokyo dans sa boutique que j'ai eu le plaisir de visiter. At your shop, we figured out that we had friends in common, right? Yes. And you told me you were planning to go to France. Yes. And so here we are. You are in France. Yokoso, my friend. My name is Takahiro Okabe. I'm our owner of a tea cafe in Tokyo. And I'm also doing the tea ceremony for 7 or 8 years. Today I come into Paris and I do some tea ceremony in many places. So this is the last one. So yeah, please enjoy. Yes, that will be a very good moment. Donc vous avez un petit peu vu qui était Takahiro et on va vous montrer un petit peu les autres personnes, de toute façon des personnes que vous allez voir tout au long de la vidéo sur ces 3 jours de visite. Je vous dis à tout de suite et on va partager ce moment, voilà, de réunion et d'harmonie. C'est absolument exceptionnel ce qui vient de se passer ici en face de notre belle Notre-Dame. Voilà, on vient de faire nos vœux pour que tout se rétablisse bien, qu'elle soit aussi belle qu'avant, si ce n'est plus belle encore. Je suis avec toute la délégation japonaise. C'est vraiment un plaisir et une expérience assez incroyable. Nous voici à Saint-Germain-des-Prés.
Nous sommes ce soir en compagnie d'une partie de la délégation, la moitié pour être exact, avec Takahiro-san en face de moi, en train de déguster wagashi, fruits frais et du très bon thé, du gyokuro. C'est l'anniversaire de Margot! Margot no otanjobi! Otanjobi omedeto, Margot-san! Et je suis aussi très très bien entouré d'Arnaud. Bonsoir. Voilà, Arnaud de territoire. Et Mina, peux faire. Could you introduce yourself? Everyone! Happy birthday! Yeah! Happy birthday! Happy birthday! じゃあこんばんは。こんばんは。名前は何ですか？名前は、正垣勝也です。Okay. はい。What is your job? Working at cafe. Okay. Running with my wife. Okay. Oh, I see. So we are running organic cafe in Tokyo. Okay. Yeah, and I'm serving some Japanese tea. そうですか。じゃあ日本茶。日本茶。うん、日本茶。Maybe 日本茶、but some chai. Okay, okay. So you're kind of barista. Kind of. Yes. Kind of. But not good at coffee. Ah, okay. More into tea. Only tea. Only tea. This is for something strange, right? Because we say like cafe, working at cafe, but you're not selling coffee. Yeah. So that's kind of strange, right? We should say kisaten. ね? So it's kind of kisaten. Doko ni Tokyo de? Nishiyobi Okubo. Okay. Ikitai. There are some nice Japanese tea cafe. Okay. Yes, I will definitely. Arigatou gozaimasu. 次は名前は何ですか？名前は浅井俊介です。OK。よろしくお願いします。What is your job? Graphic designer. Graphic designer. OK, great. Oh, may I see? 見たい見たい。Japanese cultures design. OK。おめでとうございます。おめでとうございます。We already know about you, Takahiro-san, but still.If you have anything else to say. Okay, to my pal Takahiro Okabe. Okay. I like tea. Definitely. Yes, so I'm really happy to come back and I'm really happy to do an event in Aldo-san. Yes. Territorial. Yes. That place is really great. It was a great moment. Yes. Yeah. Good moment. So yes. I will come again in your future. Hi, Zehi, お願いします. The same event and doing an event in his hometown. Yeah. Oh, yes. Yeah. You should tell me about that. Yeah. I didn't know. Yeah. Okay, great. 次は I'm Aya Shogaki. Aya Shogaki. Hi, I'm working at cafe with my husband. Great. Organic food. Okay. Organic food. Oh, 食べたい。サードできますね。ウラセンケ、オモトセンケ。手前いい、ウラセンケ。ウラセンケ、オッケー。ウラセンケスタイル。すごい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。次は。アヤスダ、ユーフォアスダ。アイムクリーチャー、ジャパニスイー。オッケー。オッケー。グレイツ。スイーツ、スイーツ。ワガシ、イズヨーワーク、アクチュアリー。Donc on a pu déguster vraiment des pâtisseries faites par une professionnelle. Oh, oishi so zenbu oishi. Kanojo no hon desu ka ne? Yes. Wow, sugoi. Omedetou. Omedetou. Mina, arigatou gozaimasu. Troisième et dernier jour avec cette délégation culturelle japonaise. Nous sommes dans le premier arrondissement, pas très loin du Louvre. Vous allez voir que pour ce final, c'est du très lourd. On se retrouve dans une galerie tendance japonisante. Eric Guizard qui est sur l'architecture intérieure et les éditions.
Et là, on dirait vraiment un intérieur japonais qui vient d'être aménagé dans cette galerie. Aujourd'hui, c'était autour de cette galerie que tout se passait. Ils y sont depuis le début d'après-midi. Plein de gens sont passés, il y a eu des très beaux échanges et c'est ce qui vient de m'arriver. On fera sûrement un petit débrief en toute fin de journée. En tout cas, quel plaisir de recevoir cette délégation. Je sens que j'ai une chance immense de vivre ça. Et voilà, de faire le pont entre les cultures, de faire le pont entre les gens. C'est sûrement mon plus beau cadeau aussi qui peut m'être offert avec l'aventure Curiosity. Tout ça au travers du thé. Le thé rassemble les gens au-delà des cultures, au-delà des différences justement, nous rassemble. Santé. Thank you, Okabe. Hontoni, arigato gozaimasu. Tanoshikatta ne. Tanoshikatta. Omoshirokatta. Arigato gozaimasu. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. See you soon. Yeah, see you soon. In Paris, in Tokyo, yeah. Wherever I can. Yeah. Et voilà, tandis que la nuit arrive, que le soleil se couche, c'est avec voilà, beaucoup de joie et d'émotion que je clôture cette vidéo. Voilà, d'accueil, de vlog, de présentation, tout ce que vous voulez, avec tous ces gens merveilleux, ces échanges superbes entre les cultures et les personnes. C'était vraiment une superbe atmosphère. Quelle ambiance, n'est-ce pas? Bon, je comprends, tu n'as rien compris. En vrai, j'ai pas compris grand-chose moi non plus. Mais d'après, voilà, un petit peu plus. D'après ce que j'ai compris, ils ont en fait affiché des poèmes qu'ils ont calligraphiés. Donc il y avait une maîtresse de la calligraphie qui était présente, qui faisait partie de la délégation. Donc qui a préparé ces poèmes-là, qui sont des poèmes assez connus. Beaucoup parlé des saisons, donc notamment il y avait quelque chose sur l'automne, mais pas que. Et en fait, après, il y en a un qui dictait et l'autre qui écrivait en direct le poème en calligraphie. Donc il y a la calligraphie qui est réalisée en hiragana, donc c'est vraiment les symboles japonais les plus purs. C'est-à-dire qu'ils sont issus de kanji à la base, mais ce ne sont pas des kanji tels quels. C'est vraiment les syllabes japonaises de base. Et donc c'est une écriture cursive dans le sens où elle est vraiment faite à la main avec un style bien particulier. Souvent les caractères sont liés les uns aux autres, donc parfois c'est difficile à lire. Au niveau visuel, tu trouvais ça comment? Au niveau artistique graphique? Oui, exactement. Les kana, donc hiragana et katakana, c'est ça le principe, c'est épurer un kanji, le rendre plus simple, tout comme la syllabe est un système de création de symboles et de mots très simple par rapport à une phrase ou quoi que ce soit. Donc voilà, un kana, c'est un kanji déconstruit en toute petite partie, simple à écrire et à retenir. Enfin, pas toujours simple, parce que moi j'ai mis du temps. C'était assez arrondi. Voilà, arrondi pour les hiragana, exactement. Les katakana, notamment les deux premiers symboles qu'elle a écrit, le pari, là c'était les katakana. D'habitude on les met pas dans ce genre de calligraphie, mais là on est obligé parce que le mot pari n'existe pas en japonais, évidemment. Bah là c'est un peu plus géométrique, c'est des traits plus droits comme ça, un peu plus nets. Tout ça pour dire que, au-delà de l'aspect graphique, il y avait vraiment une symbolique, et ce que je trouvais beau, c'est que c'était comme si ça lui venait une poésie de l'instant. Il s'est dit, voilà, qu'est-ce qui me vient après avoir vécu ces trois jours à Paris, avec toutes les rencontres que j'ai faites. Et il a fait un petit poème comme ça, sur des ambivalences, donc des choses avec, comme on écrit que les syllabes, il y a plein de mots qui se ressemblent en japonais. C'est comme si tu disais la mère, mais que tu comprenais pas qu'on parle de l'océan ou de la maman.
Et bien là, c'est le même principe. Il disait Paris no hi, c'est soit le feu de Paris ou les jours à Paris. Et il y avait comme ça plein de jeux de mots. Et l'esprit global, c'était que les jours qu'on passe à Paris, avec toute la vivacité de cette ville et toutes les rencontres qu'on y fait, vont apporter un peu plus de lumière, un peu plus de joie dans ce monde. Les échanges, c'est beau. Voilà. Même si quand tu es en face, tu es en mode « What the fuck is that ?» Eh bien, le résultat est le même quand on a compris le message. Donc, mais on le ressent. Sans voilà. Prendre les mots, on le ressent. Donc, il y a toujours ça. C'est ce que j'explique à chaque fois. C'est qu'au-delà de la langue, il y a le feeling, ce qu'on ressent. Globalement, ce petit événement, t'en as pensé quoi? Que ce soit aussi la soirée hier qui a fini ce matin, en vérité. Et là, ce petit échange. Parce qu'évidemment, on n'a pas filmé, mais avant, on a eu plein d'échanges avec des gens très, très intéressants. Une bonne partie du reste de la délégation qu'on n'avait pas pu voir hier. Moi, ça m'a coupé du quotidien. On n'a pas forcément la notion du temps. Oui, effectivement. Et on se pose réellement. On se pose pour passer un autre temps. Je crois qu'on peut finir là-dessus. Margot a tout résumé. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était un très bon moment à partager. Un moment entre les gens, entre les cultures. J'espère le faire encore et toujours. D'ici là, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous réserve du très lourd. Parce que tout ça, ça fait fleurir plein d'idées, plein de concepts et surtout plein d'aventures. Alors suivez-nous encore et toujours sur la voie du thé parce qu'on a plein de choses à vous montrer. À très bientôt.